Et bienvenue dans la suite des vidéos de classement des factions où euh, on va aborder aujourd'hui, peut-être dans ce qui sera la plus courte vidéo euh, de notre classement des factions, puisqu'on n'aura que deux seigneurs à aborder, euh, ou alors euh, pas du tout. On va peut-être avoir beaucoup de choses à dire sur la Norska avec notre ami Martin, euh, qui oh est toujours oui. là bien sûr. Euh, donc euh, la Norska qui sera abordée aujourd'hui, qui fait suite à la vidéo des de Vampire euh, qui est parue récemment. Des contes vampires, des, des, à chaque fois, hein, des contes vampires. Euh, et donc, effectivement, on est un petit peu dans la continuité des contes vampires avec la Norsca, dans le sens où c'est une faction qui n'a pas eu le droit, malheureusement, à de nouveaux ajouts ou à un rework tant attendu sur Total War Warhammer 2, même si c'est une faction, Creative Assembly l'a annoncé, qui sera rework hein, pour, pour le 3. Ils ne sont pas satisfaits du tout, actuellement, de ce que la Norsca peut proposer, même si, bien sûr, dans les grandes lignes, ça reste une faction agréable à jouer dans les hautes difficultés, ça devient assez compliqué. Il y a quelques systèmes à revoir quand même, mais voilà une civilisation, une faction qui fait penser un petit peu à la civilisation viking. On avait pas marqué. Ah oui, bah oui, voilà. Comme d'habitude, notre petit classement des factions euh, et notre petite, euh, notre petite euh, introduction avec euh, notre ami Martin. Comme chaque début de vidéo, donc qui sera consacré à faire le point, donc euh, le point après donc les contes comptes vampires qui n'ont ni intégré le, le top ni intégré le flop. Euh, je pense à, à raison. Euh, ouais. on, on a pris quelques commentaires euh, en compte effectivement. Euh, je devrais pas en parler maintenant, je vais me faire disputer par Martin, mais. Euh... Non, en maintenant, de façon. Ouais, on maintenant Ouais, on nous a dit effectivement qu'un Karl Franks, parce que là du coup, à l'heure où on tourne la vidéo, c'est la vidéo de l'Empire qui vient de paraître, euh, que Karl Franks, il était bien surboosté par rapport à un Tyrion et qu'effectivement, économiquement et militairement, on verra pour ajuster ça plus tard, pour les rendre un peu plus, euh, un peu plus similaires, même si on on en donnera, enfin on, on reviendra surtout pas sur ce qu'on a dit, puisqu'on a justifié à chaque fois nos notes, même si on avait peut-être été un, un peu trop prétentieux ou pas assez avec Tyrion. Euh, ça, on y abordera à la fin. Donc le, le, le classement, ça me permet de vous refaire une petite introduction, enfin euh, de vous le dire en introduction de vidéo. Mais n'oubliez pas donc que vous avez la main et que vous voyez vos commentaires, bah, en fait, nous font réfléchir sur pas mal de choses euh, et que ça aussi vous permet de, de donner votre point de vue et vous aurez donc la main. Enfin euh, vous aurez donc la main. Euh, on aura la main à la dernière vidéo qu'on fera euh, sûrement en live ou pas. J'ai pas encore décidé. Sur réajuster, votre avis compte. voilà, pour réajuster les notes euh, et réajuster le classement. Donc euh, potentiellement la top faction. N'est pas encore apparu et c'est vous qui allez la faire passer devant. Non, mais voilà, il faut que les, les, les arguments soient là quand vous faites un commentaire. Euh, et merci à tous de jouer le jeu parce que c'est vrai qu'on on a beaucoup, beaucoup de commentaires sur chaque vidéo, qui, euh, que ce soit sur le, les commentaires YouTube ou sur le, le Discord, où euh, ça part aussi un petit peu en débat de, de, de temps en temps. Donc merci beaucoup à tous. Euh, pour vos retours. Et puis, bah, j'espère qu'il euh, y aura sujet à débat aussi avec, euh, avec notre Norska qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, avant ça, mon petit Martin, petit point du flop. Tiens, ça fait longtemps que t'as pas fait le flop, toi, tiens. Un petit flop. Le flop, petit... il a pas bougé depuis trois vidéos. Donc, euh... Bah oui, mais il faudrait toujours je refaire. Je... Pour, pour ceux qui commenceraient et qui découvraient par cette vidéo, qu'est-ce qu'on a en dernier pour l'instant Bah, ce, moi, ce, ceux qui découvrent le, le classement avec cette vidéo, je les renvoie sur la première. <laughs> <On voit rien rire> voilà. à... euh, sur la première, ils auront pas le même flop <laughs> entre nous. <laughs> Ils n'ont rien à foutre ici, de toute <laughs> façon. Donc, euh, donc, Skarsnik, hein, Maillon faible pour l'instant. Ouais. Sous-merde du classement. Non, donc on le rappelle, hein, c'est les factions les plus compliquées, pas les plus pourries à jouer, pas les plus merdiques, au contraire, c'est des fonctions compliquées. Arthnic, voilà. Ouais, mais après, ça, dé ça dépend. Mais voilà, c'est des factions les plus compliquées à jouer pour l'instant, en tout cas selon notre système de notation, bien sûr. Euh, donc Skarsnik, dernier. Quick, euh, avant-dernier, qui sera sûrement réajusté, mais euh, je sais pas s'il sortira du flop ou s'il restera bien ancré. Euh, Arkane, euh, ensuite. Marcus et Ténéa pour l'instant, sur les seigneurs qu'on a abordés, bien sûr, puisque tous ceux qu'on n'a pas abordés ne sont pas encore dans le classement. Et puis pour le top, on a notre duo euh, qui n'a pas changé non plus au dernier épisode, euh, Karl-Franz Volkmar, euh, donc en première place, avec le même emplacement, euh, Ikit, qui vient en deuxième place, puis le duo Thorgrim comme pareil, même emplacement, en euh, troisième position, suivi de Tyrion et de Grimgor. Pour l'instant, on en est là, avant d'aborder la norska là, 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 il va me faire regretter de lui avoir monté le son au dernier au dernier, euh, dernier épisode. <laughs> Mon petit Martin, est-ce que tu veux commencer à parler un petit peu de la Norse Toi, t'en on a pensé quoi tiens de la Norse Tu l'avais eu avec le DLC précommande aussi, je me doute. Ouais ouais ouais, j'ai eu dès le départ. Donc c'est une faction qui euh, en DLC euh, qui est en DLC actuellement mais qui était gratuite en free LC pour les précommandes de Total War Warhammer 2. Euh, voilà Qui a été ajouté donc dans la campagne du 1 tout d'abord, puis qui a mis du temps à revenir dans Total Warhammer 2, il fallait faire quelques modifications bon, qui finalement ont pas été très prévues. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, mon petit Martin bah, Dis-moi ce que en penses. Hein, Moi, Moi j'ai pas trop. Oh, pardon. pardon. Moi, j'ai pas trop mal aimé. Ouais. Euh, C'est une faction qui a la possibilité de confédérer quand même assez vite ses, ses compères. Il met des, des, des infanteries qui sont quand même assez, assez balèzes, je pense notamment au, au maraudeur Berserk. Ouais. Et euh, Vaste choix de créatures monstrueuses. Un roster qui est quand même assez réduit. Ça mériterait peut-être quelques petits ajouts. Et la faction elle-même au niveau du gameplay T'as bien aimé euh, gameplay voilà, chasse aux monstres, c'est sympa, ça, ça, ça change un petit peu mais je pense que ça pourrait être mieux optimisé puis rework. Ouais. Bon, ça le sera je pense hein. D'ailleurs, euh, au niveau du lore, je crois que c'est que Wulfric qui devrait avoir accès à la chasse aux monstres, et pas Trog, euh, puisque Trog est un petit peu différent. Euh, mais oui, donc deux, deux seigneurs, on va dire, euh, effectivement, des mécaniques, bon, des mécaniques qui sont, qui sont là, qui sont assez intéressantes, hein, mais, euh, mais bon, mmh. qui cassent pas trois pattes à un canard, effectivement, le premier... Tu, tu veux en parler, ou... Le premier quoi tu veux, tu veux en parler ou tu veux que j'en parle oh, Des ouais, attributs de race. Bon, les attributs de race, on va commencer. Alors, le, le, le système d'allégeance aux dieux. Donc, le, le système d'allégeance aux dieux, ce qui va se passer avec Wulfric, lorsque vous euh, faites la conquête d'une cité, vous avez le choix de la piller, bien sûr. Vous avez le choix de l'occuper uniquement si c'est une capitale de faction. Ou non, si faut Il faut qu'elle qu 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 soit portuaire, non Non, c'est soit capitale de faction, genre euh, Aldorf, euh, Couronne, bah, bah ouais. euh, etc. Non, mais oui, mais euh, Couronne n'est pas portuaire. Hein. Euh, non, non oui, château de Rukunov etc donc toutes les capitales de factions majeures peuvent être occupées en villes traditionnelles par les par, la, par les Norsca et les villes portuaires euh, mais pas les villes intérieures donc les villes intérieures vous, enfin, sont les villes portuaires aussi hein. vous avez le choix de les raser euh, et de les raser quand vous allez les raser vous allez pouvoir euh, donner votre allégeance à un dieu du chaos donc il y a le serpent le chien et quoi d'autre Martin il y a un truc un truc qui vole genre l'aigle je sais plus quoi le, cor ouais, le je sais corbeau plus. ouais je crois que c'est le corbeau possible et puis il y en a un dernier donc chaque, chaque dieu va vous apporter des bonus spécifiques vous avez un dieu qui va vous permettre euh, alors donc, vous avez trois niveaux d'allégeance chaque niveau d'allégeance va vous donner bah, pareil des bonus de niveau 1 des bonus de niveau 2 et au niveau 3 vous aurez euh, bah les, trois, les, les trois bonus, enfin les deux bonus, plus un bonus entre guillemets légendaire, c'est-à-dire que par exemple vous aurez accès à un sorcier directement niveau 40, vous aurez accès à un héros un, pour, pour, un des, euh, pour un des dieux, un autre des dieux, vous avez accès à un duc du changement euh, en héros légendaire recrutable, euh, un autre, vous avez euh, des quatre, des, euh, comment s'appelle, l'unité d'artillerie du chaos, mon Martin les canons, Les canons Apocalypse à tête chercheuse. Assez stylé d'ailleurs. Et le dernier, je sais plus ce qu'il fait. Pas une peste ou un truc comme ça. Je m'en rappelle plus, franchement ça fait un bail que ouais, je sais plus c'est pas une peste, le dernier je me rappelle plus, mais voilà, ça, ça c'est les bonus légendaires, et puis vous avez des petits bonus, puissance des armes améliorées, taux de reconstitution, euh, euh, recherche, etc. en fonction des allégeances, donc c'est vous qui décidez le dieu qui vous intéresse le plus, et puis après le but c'est de raser des, des villes, euh, et à chaque fois que vous rasez une ville, ça va augmenter votre niveau d'allégeance, et puis vous avez ces trois paliers qui vont vous permettre euh, d'y arriver. Arriver au troisième palier, je vais pas vous spoil mais il va se passer quelque chose, euh, effectivement qu'aura aura une incidence sur la campagne, euh, et... Et donc du coup, voilà pour la première mécanique d'allégeance. Euh, la deuxième mécanique, la chasse aux monstres. T'en parlais tout à l'heure, mon Martin. Ouais. T'aimes bien euh, Je trouve que c'est pas assez au cœur du gameplay des Norse. On pourrait facilement s'en passer en fait. Ouais, ouais, ça mériterait d'être un peu plus au. Ouais, c'est vrai que. Pas assez de. Enfin pas les bonus apportés par la chasse aux monstres euh, ah. sont pas forcément euh, <laughs> grandissimes comparés au, au reste de la campagne. Ouais, après les unités monstrueuses que tu peux recruter sont quand même assez sympas. Ah, sont hein. ah, 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 bien, je dis pas le contraire. Mais je trouve ça... Moi j'ai eu fait des parties les les où je ne m'en suis pas occupé quoi du tout. Ouais, voilà, tu, tu, peux ne pas avec, t... tu peux ne pas t'en occuper, et aussi c'est... Enfin, c'est des quêtes qui sont assez chiantes en fait à faire, ouais. contrairement à Imrik qui a la chance de pouvoir directement aller sur le point, qui est pas très loin de chez lui. Euh, et de faire la quête tout de suite euh, bah là en fait vous êtes obligé de faire une série où vous devez vous rendre à tel endroit puis après vous devez euh, trouver le monstre après aller sur, se rendre sur son territoire le chasser fin, après c'est normal que ce soit plus compliqué tu vois j'entends mais bon trouver plus facilement un dragon légendaire qu'un qu monstre bon puis ça, ça pourrait être plus fun c'est vrai que la mécanique en elle-même euh, est, pas, est pas folle ça, ça vous prendra du temps mais néanmoins les monstres en eux-mêmes sont vraiment top hein, vous avez euh, des, des wyrm enfin euh, une wyrm euh, des glaces géantes vous avez euh, un un gros mammouth, vous avez quoi Il euh, y a des géants, il y, y a des Ah il y a des géants, et puis vous avez aussi pas que des... D'ailleurs, euh, avec le, la chasse aux monstres, vous avez pas que des non. unités. Hein. Vous avez aussi des, euh, des, des objets légendaires que vous pourrez assigner à vos héros et à vos seigneurs ah. grâce à la chasse aux monstres qui sont des qui ont des bonus complètement pétés. Donc en vrai... On peut s'en passer, mais c'est toujours bien de s'y attarder. Le problème, en fait, avec les Nords, c'est que vous n'avez pas trop le temps de vous y attarder parce que vous avez trop de choses à faire. Vous avez tellement à vous défendre et, et ou alors à, à être très offensif pour justement pas, pas être entre guillemets euh, maître de votre campagne que vous n'avez pas trop le temps d'aller euh, naviguer à droite à gauche pour aller chercher les monstres justement. Vous alors, êtes, rien, diplomatiquement, vous n'êtes pas assez tranquille. Rien qu'en Norska, c'est déjà le bordel. Le, la Norska, d'ailleurs, on, on va regarder. Ah, bah, attends, je me suis pas, euh... je me suis pas euh, mis sur. Euh... Sur. Euh, alors attendez, je vais. On va changer ça, on va, aller, on va aller chercher le Total War Interactive Map, pour ceux qui ne le savaient pas. On va sur Mortal Empire, bien sûr. Et on va aller chercher les starting positions. Donc la Norska, c'est tout ça. Donc, tout ce qui est en territoire gelé au nord de la map, plus euh, également tout ce qu'on trouve aussi euh, côté Nagaroth, euh, plutôt au nord. Voire plutôt nord-est, plutôt. Euh, mais voilà, tout ça, c'est des territoires qui sont, euh, qui sont gelés et qui font euh, partie de la Norska. Euh, voilà. Donc, euh, deux mécaniques qu'on vient d'aborder de, de, l'allégeance aux dieux, la chasse aux monstres, et puis effectivement, une liste d'unités, Martin l'avait dit, euh, basée sur de l'agressivité. Ça va être aussi euh, pff, bah, vous foncez dans le tas et, et vous ouais. tapez un pas d'artillerie, euh, hormis euh, si vous allez euh, sur le niveau d'allégeance, mais vous aurez un canon Apocalypse, ça peut chose pour toute la faction, et encore faut-il que vous cho choisissiez ce, ce dieu-là. Euh. Mais effectivement, ça va être de l'infanterie, du monstre, du char, euh, et ça va être des. des... Bon, de toute façon, on verra tout à l'heure avec la liste d'armées, mais... mais. Mais voilà, ça, ça reste très agressif et euh, assez, assez joli aussi au niveau des skins, il faut le dire, hein, il y a quand même des ouais, belles unités. Liste d'armées, mon petit Martin euh, Liste d'armée, donc euh, l'infanterie, on commence avec des maraudeurs, de la, de la version l'ancienne, et les maraudeurs armes lourdes, on va dire que c'est le premier, premier palier. Alors attends, attends je, euh, les... je vais me mettre sur le truc parce que tu parles Ah Vas-y, continue, continue, continue vas-y vous avez les, les Berserk maraudeurs. alors eux franchement ils tabassent hein. Ils envoient vraiment du lourd, ils sont très sensibles au tir de flèche, vous voyez. Coquins, ouais. euh, coquins d'armure, très bête. Défense de melee qui est quand même très basse, mais 52 de puissance des armes et 33 de bonus de charge. Ça franchement, ça, ça va faire des ravages dans la, dans la ligne hein. Et après, pour avoir une ligne un peu plus solide, vous avez les, les champions maraudeurs et leurs homologues à, à armes lourdes aussi. Ouais. C'est mes premiers, mais un petit peu boostés. Ah. Euh, <laughs> des stats correctes. Hein. Moi, j'estime que 53 de défense de mêlée, c'est plutôt pas mal. Oh, ouais, ouais <laughs> c'est très fort. <laughs> franchement, c'est une, une très belle unité. Hein. C'est une très belle unité. Ouais. 80 d'armure. ils sont pas beaucoup d'armure. Hein. Non. Faut faire attention. Après, on a quand même quelques lances projectiles, notamment avec les, les javelots qui sont anti-larges. Bah, t'as les champions maraudeurs, la version armes lourde aussi, qui sont. Bah, euh... ouais, peux... qui sont pas. pas... En, en, en réalité, ça reste une infanterie qui peut se mesurer à peu près à celle du chaos. Hein. C'est la grosse force de la Norska, c'est des, des, pareil, une des meilleures infanteries du jeu, on peut le dire. La hein. ah, Norska, c'est infanterie et puis grosse bestiole. Voilà, infanterie et grosse bestioles, donc une très très bonne infanterie qui, qui tient la ligne pour les champions maraudeurs et qui fait du dégât pour les champions maraudeurs armes lourdes, même si boosté ça, ça, ça fait encore, encore plus mal, euh, on verra tout à l'heure. C'est pas mal. Hein. Ouais. Donc après, on a les, les unités de tir, on a les chasseurs maraudeurs à javelot qui sont anti-larges. Ouais. Euh, moi je les moi, je trouve pas ouf personnellement. Moi oh, j'aime bien. Moi je les trouve non, très. En fait, ouais. les, deux, les deux versions je les trouve extrêmement fortes, mais en fait, c'est leur problème c'est leur portée à 90 et à 80. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que. En fait, vous, il va falloir arriver à trouver le. Pareil, ça se micro-gère assez les, les chasseurs, mais par contre, ça fait très 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 mal. C'est les unités de tir qui font le plus mal tuer. Ils sont 90-35 de puissance des tirs, tu le trouveras ça nulle part dans aucune unité d'archerie. Ah je dis ouais, pas qu'ils font pas mal, j'ai dit que je ne les aimais pas trop. Oui, oui. oui. Pour, euh, pour ce que ça représente. Ouais. Et en plus, ça, ça peut se défendre en mêlée, effectivement, avec euh, avec des stats bon, qui sont plus ouais. offensives que défensives, mais euh, voilà, ça peut se faire intercepter, ça peut se défendre en mêlée, et ça fait très 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 mal, mais ça a une très 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 faible portée. Donc à, à caler juste derrière votre ligne d'infanterie voilà. mais ça peut faire beaucoup de dommages et ça peut vous... Euh, deux unités de chars, les chars maraudeurs que vous retrouvez aussi euh, chez, chez le chaos, qui ne sont pas, pas dégus, hein, franchement. Bah, ça reste des, des chars, pas, hein, ça... de En début de partie, ça en reste... Les armes à 40, bon, ça, ça reste correct. Hein. Ouais, bah ouais. Et les chars à loups, des, des maraudeurs qui ont la capacité engelure, qu'on n'a encore jamais vu jusqu'à présent, qui ouais. permettent de réduire la, la vitesse des, des, de, de l'adversaire. Ouais. C'est en de char descend également. Non mais ça reste fort. De, très bon bonus de charge et de vitesse pour les deux, donc pour aller chercher ah ouais. aussi. Euh. Et puis ça en fait. plus le deuxième a, euh, effectivement il a, il a la, la, la possibilité de tirer aussi. Donc euh, ouais. il, est, il est efficace même en, en déchargeant, comme une fois que vous ah, vous, vous repliez, euh, il continue à faire du dégât. Okay. Ça reste fort. Trois cavaleries lance-projectiles, euh, dont moi je me sers jamais pour ma part. J'aime pas ces unités, mais comme j'ai déjà dit précédemment dans une vidéos, vidéo, euh, mis à part les, les grenadiers ouais. de l'Empire, je ne me sers pas de ces unités montées qui tirent, ça me casse les pieds. Ouais, pourtant quand on les, quand on les affronte, c'est chiant. Hein. <laughs> ouais, ah bah je dis pas le contraire, après c'est mes préférences. Hein. Mm. Donc euh, bon, je vais très vite passer dessus, ils ont plus ou moins le même rôle. Hein. Oui, dépend en avant-garde, aller flanquer. Ouais, kite, euh, ouais. Voilà, ouais ça, ça kite, hein, c'est ça. ça. Ça peut vous permettre bon, d'aller bon, chercher bon. de l'artillerie ennemie. Euh, ouais, dérangeurs. ouais. Aussi. Ou poursuivre des fuyards, ça, voilà. ça, peut, trouver des, ça peut trouver leur place. Hein. Et on arrive à la grande force de la Norsca, qui est bah, les monstres, <laughs> bien sûr. Donc vous commencez avec des chiens de guerre norse. Bon, ça, voilà, c'est des chiens, c'est comme les, euh, les loups funestes et toutes ces conneries. Ouais. Euh, voilà. Ça a le mon rôle. Les loups, euh, les loups de glace norse, qui sont très forts, moi je les trouve vraiment bien. Ouais, ils sont bien. Rapide, également l'angelure. J'entends une piston des armes de 42. Un peu de là. charge, qui est pas si mauvais que ça pour des loups quand même. Et, et ils sont beaux ça compte pas dans la puissance mais ils sont beaux ils sont magnifiques ouais ouais du coup on va mettre 10 sur 10 juste pour ça ouais donc une unité qui est vachement intéressante puis que vous débloquez quand même relativement vite une Monty voilà c'est une unité qui est assez basique des trolls North alors je sais pas ce qu'ils ont comparé aux autres trolls ils ont quoi ils sont plus puissants les trolls North de base non ils ont rien de spécifique alors ils sont perses à la régénération comme les trolls un peu verts par contre voilà c'est les trolls des glaces norse qui vont les différencier Ouais, d'accord. Mais les trolls de glace nord sont une excellente unité de trolls. Peut-être la meilleure du jeu pour le coup. Je ne sais pas si c'est mieux que les trolls de pierre des trolls. Ça, c'est la comparaison. Je ne sais pas. Il faudrait faire une comparaison à faire. Moi, je les trouve quand même vachement balèzes parce qu'ils ont quand même Ouais. Et puis ils tapent. Et puis ils sont beaux. 122 dégâts des armes. Bon, c'est bon, tu as fini. Tu n'as pas abandonné des trolls quand même. Après on a une unité que, que je trouve très intéressante qui sont les qui sont Les Loué Korschers, oui. Ils sont une excellente unité anti-large. Hein. Ouais. 62 de dégâts des armes avec euh, la moitié qui font des bonus anti-large, donc c'est quand même relativement cool. Attention au tir aussi, c'est assez, assez sensible au tir. Ça se régène, ça la c'est anti-large, donc tu en as à avoir entre 2 et 3 euh, suivant la faction que vous affrontez. C'est toujours bien. Ben, beaucoup de beaucoup de troupes qui se régènent en réalité hein. ouais. les trolls les trolls et les loups écorcheurs qui, qui ont ouais, la ouais. régénération c'est quand même pas mal et aussi, euh, et aussi après je... vous avez après vous avez le homologue en, bon, en armure hein, c'est la version boostée en, en armure qui est, qui, est, qui est tout aussi bien euh, après il y a les guerriers fémires alors les guerriers c'est euh, de l'anti infanterie clairement il oh, y, y a deux variantes hein. euh, ouais as une les... de non, 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 non. As une anti -inf... enfin t'as une anti infanterie une anti large Enfin, anti-infanterie. Bon, bah oh, anti contre... ouais. Donc, ça va faire le taf de, bah, de Croxigor. Hein. c'est comparable à des Croxygore entre autres. Ouais, avec un gros debuff. Hein. De ça, c'est des des hein. très fort contre des nains. Cool. Ouais, ça fait très mal. Ouais. Vous avez la variante anti-large, à armes lourdes, qui est, euh, est anti-large. Effectivement. Ouais, mais pareil, hein. les, mêmes, les mêmes bonus, hein, mais c'est vrai que. En je fait. Voilà, et puis après, euh, vous avez un géant. Après, vous avez... Hein. vous avez un géant, bon, je veux pas revenir, c'est un géant quoi. Ouais, il, est, il, est, il est bon hein, le, le géant d'Orsin, hein, ouais, très, très, très offensif et très, 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 beaucoup de dégâts. Hein. Donc, euh, euh... Les, le mammouth, ouais, le les premier mammouth, les unités fer de, euh, de lance et puis euh, signature de la Norska, on va, on va dire. Hein, ouais, cas, très bon, bon bonus cas, de charge, avec, euh... très bonne vitesse. Ça vous fait le café dans une, dans une ligne d'infanterie. Ça, ça provoque la terreur, c'est anti infanterie Excellent cas, bonus de ouais. charge, ouais. c'est immense, franchement, c'est ouais. cool. ouais. Très William de Givre, qui, qui vole, qui est pratique, que moi je préfère à la Manticore, personnellement. Ah, oui, il a oui. un souffle, hein, lui, je crois. Il a un souffle, bien sûr, il a un souffle glacé, et puis ah, c'est ouais. beaucoup plus puissant qu'une Manticore, ça, en ah, plus, ouais. euh, ça débuff il y a l'engelure, il y a les attaques magiques, ça va vite, ça peut pas passer derrière la ligne. Il y a de la mobilité. On parlait de, de factions qui manquaient de mobilité un petit peu avant, avec les nains, par exemple, ou... Ou Même les peaux vertes en réalité, tu rushes, mais t'as pas tant de mobilité que ça, ça c'est lent quoi à se mettre en place. Alors là, vous avez de la mobilité, on vous dire, voilà hein. les mammouths, les chars, les trolls, les loups, euh, ah, ouais. les, les wyrms, euh, et puis euh... après, euh, deuxième, deuxième mammouth qui lui est monté et provoquera de, de la puissance des tirs en plus d'être une bête euh, ou ouais. Ah, ouais, Donc euh, voilà, saint d'armure, perse armure, vraiment une unité euh, de ouf, très très forte. Ouais. De voilà. le, le deuxième niveau il est, il est incroyable, et puis euh, et après. Il y a le mammouth de guerre avec l'hôtel de guerre. Alors, celui-là, il est tout aussi bon à la, sur la ligne d'infanterie. Hein, ça, c'est clair et net. Il n'aura pas de tireur, mais il a des, des gros boeufs. Il a des boeufs qui donnent. Donc, plus, plus 10 de commandement à tous les alliés à portée du mammouth. Et en plus de ça, euh, pareil à tous les alliés. Euh, plus 24 d'attaque en mêlée, plus 16 de commandement. Ouais. Euh, et, et tout le monde appliquera des dégâts euh, de feu. Donc, euh vraiment euh, vraiment fort bon, vraiment très très fort au minimum un dans une armée c'est euh, un peu incontournable ouais ah, ouais c'est c'est votre mammouth qui en plus va avoir une aura autour de lui quoi. enfin c'est vraiment ouais. le buffer et effectivement tiens, on retrouve notre duc du changement euh, qui, est... qui est valable avec le avec la campagne et puis on bah, a tiens nos canons apocalypse euh, les légions forgées dans la glace donc feu maudit indémoralisable projectile perforant les armures avec des puissances des armes de malade et puis tête et chercheuse portée de ouf ah, ouais donc, euh, voilà. Euh, donc, effectivement, un, un roster qui peut jouer de, de deux façons différentes. Euh, puisque vous avez la possibilité de constituer votre armée de manière suivante full infanterie ou full monstre. Avec donc ce qui va. Euh, bah, ouais, ce qui va... Full monstre, il faut, faut quand même une ligne. Hein. Bah foulement ça, ça, ça sera avec un trog par exemple un trog il peut jouer avec des trolls des glaces nord des trolls des glaces nord sans front -line, parce qu'il va tellement les booster qu'en fait euh, ta frontline pourra être constituée de ça après c'est toujours bien d'avoir quelques petites unités de maraudeurs pour aller euh, monter ah, sur les sièges pour senior, voilà pour les sièges et autres ouais mais t'as que deux seigneurs donc t'en as un qui joue avec oh, l'infanterie l'autre qui joue avec les monstres enfin un qui booste énormément les maraudeurs en, en gros donc vous avez des maraudeurs qui vont vraiment tenir la comparaison réellement avec le chaos donc euh, la plus puissante infanterie du jeu euh, vu les qui la apporte et euh, à l'inverse, vous en avez un autre qui va énormément booster tout ce qui est troll et fimir, qui sont donc, du coup, effectivement, bah, d'autres, une autre façon de jouer la Norska, donc deux façons de jouer la Norska assez intéressantes, assez différentes. Euh, et puis voilà, donc de la polyvalence dans l'armée. Il manque juste un peu d'artillerie, euh, bah, il manque de l'artillerie tout court en fait, hein, mais il y a de ouais. la mobilité, il euh, y a peu de tir, mais le tir. Euh, moi, 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 je l'aime bien ce tir. Vous avez vous peut-être pas l'aimé, mais euh, moi, moi, je joue avec et j'aime bien. Et puis voilà. Et puis... Oh, ouais, ça, ça passe dans les compos, évidemment. Et puis trois magies le métal, le feu et la mort. Euh, ouais. euh, feu, mort et, et l'ombre aussi, pardon, avec le démoniste Fimir, puisque vous avez la possibilité d'avoir un hybride euh, après avec les démonistes Fimir qui sont. Euh, qui, sont euh, bah, du coup, qui ont une magie différente, des sorciers qui sont recrutables assez rapidement. Euh, donc voilà. Donc, euh, et puis des, des loups-garous écorcheurs, anti-large aussi, ça va être. Il y, y a de l'anti-large dans l'armée quand même, hein il euh... ah, y, y a quoi faire il y, y a quoi faire entre les unités de leurs projectiles les guerriers fimir euh, les loups euh, voilà. Donc euh, voilà pour, euh, pour la Norska. Donc ce qu'on n'a pas dit aussi sur les villes Tout à l'heure c'est que les villes de la norska N'ont pas de garnison Donc euh, c'est ce qui rend la campagne assez compliquée et Elles, en ont, elles en ont mais elles sont light. Oui elles ont pas de murailles pardon excusez moi C'est pas, pas qu'elles ont pas de garnison c'est qu'elles ont pas de murailles Ce qui fait qu'en fait euh, vous n'avez pas la possibilité de temporiser Comme toutes les factions en construisant une ville niveau 3 Pour avoir des murailles et puis en, en boostant la garnison Là le problème c'est que si vous faites envahir votre, euh, Dans la Norska, ça va être compliqué de tenir Parce que chaque tour l'IA peut aller prendre une ville euh, ce qui est relativement chiant et ce qui est aussi aujourd'hui est énormément critiqué euh, de la part de tous, hein, même si, euh, même si voilà, ça peut faire partie aussi du euh, de l'image de la Norska. Euh, malheureusement, effectivement, euh, ça, ça en est une mécanique euh, euh, un peu compliquée. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier en réalité Est-ce que ça, pro ça propage la corruption chaotique, euh, la Norska ouais. C'est ça hein bah Oui, ça propage la corruption ah. chaotique. Euh, très peu très peu de bâtiments économiques. Ouais une économie euh, une économie assez bah ben en fait une économie j'allais dire assez faible oui et non en fait euh, un income assez faible et c'est une des premières factions qui se joue énormément avec le pillage euh, avec la mise à sac de colonies donc votre gameplay, ça va être mettre à sac, mettre à sac, mettre à sac, ce qui fait que vous allez avoir une trésorerie de dingue. Vous allez toujours être à 60, 70, 80, 98, parce que les bâtiments coûtent vraiment pas cher à évoluer. Néanmoins, vous avez euh, votre économie à 80%, vous allez vous la constituer avec, euh, avec le, la, la mise à sac de colonies, donc euh, en allant euh, envahir le, le, le vieux monde. Et puis, dernière chose aussi, c'est que vous avez un malus d'entretien euh, de 80%, si je ne dis pas de bêtises. Tout au long de la partie. Donc pour maintenir plus de deux armées à la fois, c'est très 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 compliqué. Ah ouais. En enfin, fait, vous n'avez pas de malus, mais vous avez, vous avez la possibilité d'avoir un bonus de moins 80 ou moins 70, je sais plus pour cent d'entretien. Euh, au pop du chaos. Donc au pop du chaos, vous aurez deux choix. Euh, soit vous allez pouvoir vous allier avec le chaos. Euh, à ce moment-là, vous gardez votre euh, malus, enfin, sans vous, vous, restez comme vous êtes depuis le début de partie, donc sans bonus spécifique d'entretien. Ou alors, vous avez la possibilité de combattre le chaos, et là, vous allez pouvoir avoir un, un malus d'entretien de 80%, mais je crois qu'il faut quand même à battre savoir, le chaos. À, à, à savoir qu'avant le pop du chaos habituel, les Nord sont un pop du chaos qui leur est qui leur est propre. Quand vous arrivez au niveau maximum avec euh, Ah le spoil, North, le spoil, le, le spoil. <laughs> alors bah, vas-y, tu peux le dire de toute façon, oui. Ah, ouais, tu, des peux des 15, ouais moment, tu peux le dire. Oui, si tu, tu peux le dire. Tu peux le dire. il y a à ans. ouais oui. Donc, je disais, une fois que vous avez atteint le rang maximum avec, euh, avec l'un de vos dieux, en construisant vos hôtels et tout, euh, bah les autres dieux ils vont pas être contents, ils vont vous envoyer des armées du chaos sur la gueule. Voilà, exactement. Voilà. Donc bon. il y a deux pop du chaos avec la Norsca, techniquement. Donc, effectivement, il faut faire attention quand vous vous atteignez le, la fin du dernier palier à bien laisser des armées en Norsca ou proche ah, de vous. Ah, ouais, vos... puis, ça, pop aux quatre coins, aux quatre coins du, le, de la Norsca, les endroits les plus pourris du monde. Hein. Euh, non, moi j'avais pas trouvé ça, je crois qu'il rush ton seigneur légendaire, si je dis pas de conneries. Je sais plus j'avais ah, bah, bon, Moi j'avais trois qu ami qui ont popé, mais dans des blades mais ah, pourris, ouais. mais à l'autre bout du monde quoi. Voilà. Bon, ouais, ouais. On, va passer, euh, on va passer, aux seigneurs en eux-mêmes. Euh, ouais. On va commencer par par Wilfric, donc le premier seigneur qui, euh, donc, bah, au niveau du, de l'emplacement de départ, donc commence ici tout au nord de la carte. Donc euh, oh, il est pas tout au nord. Non, ouais, ouais, non, je veux dire au nord de la carte. Bah, il commence quand même au nord de la carte, au sud de la Norsque, mais au nord de la carte. Euh, un accès. De toute façon, euh, suivant comment on est tourné, ça change toujours. C'est connerie de nord et de suite Un accès privilégié au trésor. <laughs> <laughs> non ah voilà. Bah là, oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il booste d'abord les mammouths. Donc euh, plutôt bon. Plutôt bien, plus 15 attaques en mêlée. Euh, il réduit l'entretien des maraudeurs et ça c'est relativement euh... intéressant des sous donc on aime bien quoi euh, et surtout avec la Norska euh, il a l'attribut assiégeur donc pas besoin d'avoir euh, euh, d'unité spécifique et heureusement parce qu'il n'y a pas d'unité d'artillerie à la faction donc euh, ouais. euh, pour aller euh, pour aller chercher justement les, les villes ennemies les villes protégées les villes fortifiées ennemies porter des renforts plus 30% allez, couille. ça bon c'est bien et ça provoque la peur alors ce qu'il faut regarder c'est son arbre de talent son arbre de talent booste énormément comme je vous l'ai dit les maraudeurs donc avec lui vous allez énormément jouer là-dessus il Faut savoir qu'il a un sort aussi dès le début de partie, notre ami Wulfric, qui. Le bateau. Euh, le bateau, voilà, Qui a, un, un, ouais, de, qui a, qui a un, un très bon sort de début de campagne qui va vous faire euh, qui va vous, vous faire plaisir. Euh, il peut être monté par un mammouth. Enfin, il peut monter un mammouth plutôt, parce que si c'est lui qui est monté par un mammouth, euh, je ne sais pas ce que ça va donner, mais <laughs> ça va pas donner grand chose. Euh, et puis on, aussi aux, autre spécificité qu'on n'a pas dit avec la Norska, mais on, on pourra le dire au, au niveau diplomatie, euh, c'est que quand vous tuez un chef armé Norse comme les peaux vertes, en fait vous, vous avez ouais. la possibilité de confédérer avec la faction Norse qui... Euh, euh, c'est ouais. euh, la, la Nor quand même vite confédéré la Norska. Oui, mais après la question c'est est-ce qu'il faut le faire c'est-à-dire qu'il y a deux écoles, il y a ceux qui vont confédérer la Norska en entier pour avoir toute la Norska, mais qui vont s'exposer diplomatiquement aux elfes noirs et puis euh, éventuellement à d'autres ennemis, et qui vont devoir protéger un territoire très grand et très difficile à protéger. Mmh. Ou alors ceux qui vont plutôt protéger un développement, euh, ou alors ils vont se concentrer sur une partie de la Norska, ils vont plutôt aller chercher les... on va dire, raser les factions les plus pénibles, donc l'Empire, la bretonie ou autre, et prendre éventuellement leur grande ville, en, en se contentant d'un territoire... Euh, plus faible, mais en allant euh, jouer leur économie sur les mises à sac, et c'est tout à fait jouable, et c'est même comme ça que j'ai fait ma dernière campagne, ça c'est plutôt bien. Les, les, deux, les deux sont viables. Hein. Ouais, les deux sont viables. Euh, voilà, bah, c'est juste que, après, toute la Norska à, à, à protéger, bah, c'est compliqué, vous avez des raids qui peuvent venir partout, donc. Euh... Alors que si vous êtes, vous, vous focusez ici, vous, vous vous blindez ici, vous laissez une petite armée dans votre province de base, et puis vous descendez, il y a quand même des belles villes à aller raser, hein. l'Empire, euh, oh, la Bretonnie, il ouais. y a de quoi faire économiquement. Euh, voilà pour ça, donc euh, ben, on peut passer au système de notation pour mon, notre ami Ulfric. Qu'est-ce que tu lui mettrais euh, en, en militaire, mon petit Martin que, Comment tu juges la Norskia aujourd'hui, par rapport à euh, euh, ce que tu trouves que c'est une bonne faction C'est une bonne faction, mais je trouve qu'elle manque d'unité, donc... Euh... Elle manque un peu de polyvalence elle manque de la polyvalence, ça va encore, mais elle manque un peu d'unité. Et puis je trouve que face enfin, à des factions qui jouent à distance, notamment je pense à l'Empire, je pense aux nains, je pense aux Skaven. Bon, t'as quand même de la mobilité, hein T'as quand même ouais, beaucoup ils, de se ils se font la tête la, la gueule. Contre une faction qui joue euh, défense, artillerie et tireur, ils se font la tête la gueule. Il mmh. y a quand même pas mal de factions qui vont affronter qui, qui, jouent ce, qui ont ce type, de, ce type de gameplay. Et par rapport, et par rapport à ce genre de match-up, je les trouve vraiment, vraiment à la ramasse. Ouais. Moi je les trouve euh, vraiment compliqué par rapport à ce genre de faction. Tu les mets contre des elfes sylvains, tu les mets contre de l'Empire, tu les mets contre des nains, c'est vite compliqué. Je ouais, contre, de, contre des elfes sylvains, je suis d'accord, beaucoup En fait c'est plutôt l'archerie plutôt que l'artillerie. Parce que l'artillerie, si ouais, c'est si ciblé. Deux. Bah, après l'artillerie, bon, t'as je... deux, deux, trois unités d'artillerie, tu t'envoies ta wyrm, ou t'envoies tes chiens, ça, ça part vite. Par contre, les unités d'archerie, elles sont protégées par les unités d'infanterie généralement, c'est bah, difficile si d'aller flanquer. Tu protèges aussi, si es un peu malin, tu protèges aussi tes unités d'artillerie, de toute façon, moi je le fais à chaque fois. Oui mais là on parle de dia. Ouais, mais joue. dia joue bien. Hein. mais, euh, mais euh, moi Wolfrik ah ouais, ouais, je... il a quand même des gros bonus peut être monté par un mamouth je lui mettrai Ah ouais après ouais, je ouais. après moi je suis entre 7 et 7 ennemis, ouais, je mettrai... ouais je mettrai ouais j'allais dire je lui mettrai un 7 moi. 7 ouais ça me paraît ouais. bien. Je lui mettrai un 7 parce que la Norska quand même des est très offensive mais a quand même quelques ouais, quelques ouais, ouais. Quelques lacunes. Économiquement, bon bah économiquement, euh, on, on l'a dit, euh, si vous, vous vous cherchez à générer de l'économie vers vos bâtiments, ça va être 0, ah, euh, si jamais par contre vous allez chercher de l'économie en mettant un sac, ça va être 10, euh, alors je vais pas dire que je vais faire une moyenne des deux, parce que je pense qu'économiquement, il y a quand même de quoi faire avec la Norsca. Alors, alors le, le problème qu'il y a avec, euh, avec la Norsca, c'est qu'il y, y a beaucoup de grosses villes à proximité, mais ces villes, tu peux pas les piller euh, tous, les, tous les trois tours, quoi. Ouais, ouais, ouais. À chaque fois, tu vas toujours aller plus loin pour récupérer du fric. C'est que... un... Ouais. un peu casse-couille. Tu vas piller Aldorf avant 15-20 tours, tu vas pas la repiller parce qu'elle ne se sera pas développée. Oh, tu vas l'occuper, donc... Aldorf Ouais, mais peu importe si tu choisis de pas l'occuper, ça, ouais. fout, un détail. Mais j'entends, voilà, donc le pillage, ouais, tu vas amasser des thunes monstrueuses, mais par contre, euh, tu vas toujours devoir aller plus loin et être plus exposé à chaque fois euh, au fur et à mesure de la partie. Qu'est-ce qu'on met On met un 5 euh, Ouais, je te quand même un 6, quand même c'est une bonne économie hein. c'est aussi bien que les comptes vampires hein, qu'on vient de faire ah bah tu sais euh, t'as quand même pas mal de villes que tu peux, que tu peux piller en début de partie. ouais ouais c'est vrai Donc, Non mais c'est vrai que alors, le pillage ah ouais. t'apporte du cash en fait on parle plutôt économiquement ah ouais. en termes de survie ouais si ça peut être ok moi, moi je mets pas plus parce qu'à chaque fois il, doit, il, il devra attendre pour repiller ces mêmes villes espérer qu'elles se fassent recoloniser si tu les rases euh, aller toujours plus loin euh, dans le cadre de ces. Ouais, de ces ouais. Et puis les bâtiments coûtent pas oui. cher, lui il a un bonus ah ouais. d'entretien de, pour les maraudeurs, mine de rien. Il y a de quoi ouais, avoir ouais, une économie. Euh... Après, c'est vrai que tu peux pas maintenir, en fait, le problème d'économiquement, c'est que tu peux pas maintenir plus que deux armées en fait viables et c'est ça qui est compliqué. Ouais, est un peu ça, ouais. Donc on peut dire que c'est un 6. Si vous allez aussi affronter le chaos, vous rajoutez une difficulté supplémentaire, mais vous, vous allez affronter le chaos parce que après ça peut être même un 6 qui se transforme en 7 si jamais vous décidez d'avoir le bonus d'entretien. Mais bon, moi je serais plus sûr du demi 5 ,5, mais bon, demi 5 ,5, 6, on ouais, va ouais. pas les chipoter. Hein. Wow, ouais, si, euh, ouais, c'est bien. Puissance euh, diplomatique bon, Le seul avantage qu'ils ont diplomatiquement, et c'est vraiment le seul, c'est qu'ils peuvent s'autoconfédérer. Autrement, ouais, ils, sont, euh... ils sont en guerre contre tout le monde. Ouais, ouais, c'est chiant. Ouais, donc, ils euh... commencent deux qui sont en guerre contre les bretonniens, faut pas oublier mmh. ça aussi. En plus. monde euh, vais... a tendance à aller venir vous chercher aussi. Mais ils tout le monde, faire. la terre entière. Il y a Quick, ah ouais. par contre, il y a, euh, a euh, Trot. Trot euh, qui vous aime bien et trotte généralement faut s'en allier pour qu'il aille recoloniser aux ruines, ça peut être aussi intéressant. Enfin, il vous aime bien. Généralement, il peut vous aimer euh, après ça dépend des niveaux de difficulté aussi, il peut vraiment ouais, trop. Moi, franchement, je suis à je suis à entre 5 et 6 aussi. Ah non, je suis à 3 ou 3, j'allais dire 2, 2 ou 3. <laughs> non, bah, non, peut, non non, il peut pas il peut quand même confédérer très très rapidement oui, tout ça. Oui, c'est Il avoir du bah, tout. Euh, plus trotte. Ouais, bah, trotte, je suis même pas sûr du en vrai. Trotte. Ouais, bah apparemment tu tapes ouais, le, tu tapes le chaos pour avoir un bonus d'entretien, autrement t'as toutes oh, bah, les factions bah, bah, toutes les factions fort, on lui faut un 4 dans ce cas. Un 3,5. 3,5 Allez ah, 3,5, hein. 3,5 parce non, que. Assez Et commercialement Euh. Prème qui ouais, bah c'est pas ouf. Hein. <laughs> avec, qui, avec qui il commerce en fait En vrai. Les elfes noirs, il peut pas être copain, avec les elfes noirs Non, non, il les déteste, tu rigoles. Je me, le nombre de fois où je me suis attaqué justement par les, par les elfes noirs au nord, euh, à l'ouest là. Non, tu peux commercer. En réalité, tu peux commercer avec personne, c'est triste. Hein. Peut-être les de vampires si tu tapes avec sur, sur l'Empire bah en fait, le problème c'est que tu Tu sais pourquoi tu peux pas commercer parce qu'en fait, il te faut un lien avec leur capital. Donc en fait, il faudrait que les côtes vampires chopent un, un port. Ah ouais. euh, parce que tu seras jamais lié par la terre avec eux. Donc non, t'as même pas de, as même pas de. de... Euh... Non, t'as personne. M Mousillon peut-être. Hein? Mousillon peut-être. Ouais, c'est Enfin... Bah, c'est une idée, hein? Après. Deux? Deux parce qu'il existe un ou... un, deux partenaires commerciaux. Ah ouais. Ouais, donc c'est pas ouf hein, comme classement. 46 il, a, bah, bah, 46, il est à deux doigts de rentrer dans le, dans le flop. Hein. Ouais, ouais, et ouais. et peut-être qu'avec les réajustements, il y sera. On hein. verra. Ouais. Ouais, ah, ça, ça reste une campagne assez difficile. Hein. Ça reste ouais, une, une campagne. Ouais. Pour, pour moi, c'est une des plus dures du jeu. Ouais. Bah La Norsca, en fait, pourtant, c'est régalade de base. Mais c'est vrai que bon, tu vois, ça, ça reste en dessous d'un Enrich. Ouais. Mais pour moi ouais. ça me paraît ok en fait Emrich et Ulfric, je les mettrais vraiment dans une campagne assez dans les campagnes assez difficiles c'est vrai qu'on est pas loin ouais. du flop là, mais euh, ouais. non non ça reste des campagnes des campagnes difficiles en oh, Trog alors Trog au niveau des bonus Alors Trog est un excellent combattant au cac hein, je précise Il tient à tête à Grimgore à titre de comparaison Ouais ouais il est Une résistance physique plus 15% pour tous les trolls Troll North et troll de glace pardon Donc franchement avoir de la résistance physique sur des trolls c'est quand même vachement cool on va pas se mentir. Il a un entretien de moins 20% pour tous les trolls disponibles pour la faction donc, c'est des sous, on aime. Ouais. Il est assiégeur comme Wulfric, il apporte de l'ordre public, ce qui est sympa ça, en termes de. Euh, quand tu confédères, d'avoir un petit peu de l'ordre public. Et toutes les armées sont mises à l'usure. Ça, franchement, c'est cool. On va pas se mentir, c'est sympa. Et il provoque la corruption chaotique. Bah, on s'en fout un petit peu de la corruption chaotique, j'ai envie de te dire. Ah ben bah, donc, donc l'autre, non, alors. Ah non, oui, si, si, d'accord. Il a un Il bonus. a sur la, la corruption chaotique. Euh, j'ai pas dit sur Wulfric mais les unités de départ sur Wulfric sont pas trop mal. Ce trog sont sympas aussi. Ouais, et puis trog, voilà, c'est c'est trog énorme boost sur les euh, sur les trolls. Euh, en vrai, une armée de trolls euh, chez Trog, ça éclate, mais tout, jusqu'en fin de partie, où là, en fin de partie, ça va commencer à, à se taper contre de l'anti-large ennemi, mais tant que vous n'avez pas de l'anti-large, vous défoncez, mais tout le monde... Je trouve sincèrement Trog plus facile à jouer que cool le et plus intéressant même à jouer cool freak, hein, que le fric, personnellement, par rapport au bonus moi, moi, fait, et par rapport moi, au gameplay. Moi, ça fait un bail que je pas joué. Ouais, non, non, et puis les guerriers éphémères, en fait, tu joues avec tu t'as des bonus énormes pour les guerriers éphémères et les trolls, et en fait, c'est vrai que... Ouais, tu peux te faire une armée, ah ouais, tu te fais une armée full de et je te jure qu'elle découpe, mais vraiment. Les... Tous les trolls finissent à plus de 100 morts. Hein. Euh... C'est vraiment des, des, des dégâts, mais de dingue, de dingue, de dingue. Donc, bon, je euh... pense que ça reste quand même sensible aux flèches aussi. Hein. Il y a tout ce qui tire. Même pas tant que ça parce que c'est mobile en fait. Donc en fait les flèches t'as même pas ils ont pas trop même temps de mobile, tirer. Entre... en fait tu droit devant, puis tu tapes, pas mal. Oui mais ça va vite, le bonus de vitesse, je dire, ça, ça tape, ça va ça va plus vite qu'une qu unité normale. 54 ah bah, de vitesse hein, je veux dire, 54 oh, ouais, ouais, de oui, vitesse. Ouais, ouais, Des maraudeurs ça avance à 37 euh, et quand même euh... Ah ouais mais c'est un de pour, plus... uh, contre tir de plus. Bah c'est ça ouais, donc euh, généralement non, j'ai jamais eu de problème de tir, alors je t'avoue que... Après, ah, tu ouais. composes pas ton armée que de trolls, hein, mais je veux dire, tu, tu mets oh, 8 non. trolls dans ton armée en front line, et après, tu te mets euh, bah, de la mobilité pour aller justement faire chier le, les projectiles alors Trog oh, puissance militaire tu le mets à combien Je le mettrais à 7 ennemis, Trog ouais Pour moi, il a un poil au-dessus de Wolfric. ouais Juste ah parce, vous, juste parce vous, que les Trogs, c'est fumé. c'est un excellent combattant. Au ah oui, fait. oui c'est un très bon combattant, et on l'a dit, hein, il a, des, et il a des, des très bons bonus, notamment le sort que, que Trog n'a pas. Euh, Trog, il a un sort de vomi ouais, euh, un peu moins puissant, voilà mais euh, mais par contre, lui-même, les, les bonus qu'il apporte sont, sont ouais, ouais. juste fumés. Les vous deux... De... Vas -y, vas -y, hein. Vous voyez la taille du marteau et, et, et puis les, les deux, sensiblement, en réalité, on aurait... En vrai, ils sont, ils sont, ils sont quasi identiques. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment, comme on l'a dit, un qui va booster les unités d'infanterie, l'autre qui va booster les monstres. Les monstres. Euh, moi, c'est juste qu'il y a, a peut-être un peu un manque d'objectivité dessus, parce que j'ai encore le souvenir dernier de, de ma campagne avec Trog, où, où je trouve que l'armée de troll était vraiment complètement fumée. Et, et je trouve une armée de troll beaucoup plus fumée qu'une armée de maraudeurs en début de campagne. Je me souviens, les trolls étaient bien fumés aussi. Mmh. Donc, c'est pour ça que je mets le demi-point supplémentaire. Est-ce que c'est objectif ou pas C'est plutôt par rapport à des souvenirs, mais réellement, voilà. Euh, concrètement, par ça, contre, ça reste. En fait, économiquement parlant, tu vois, je lui mettrais un 5-5 économiquement parlant. Parce qu'il est euh, plus au nord que Wolfric et pour aller chercher les villes, c'est plus chiant. Ouais, c'est vrai. Il doit, il doit traverser un peu plus. Ah, l plus galère. Après, il a le Kislev, en, fait, en vrai. Hein. T'as le Kislev, t'as Prague, t'as as quand même des. En fait, tu... ouais, c'est des, des villes qui sont moins intéressantes économiquement que Couronne, Marienbourg ou bien Aldorf moins intéressantes c'est Ouais tu vas vite, hein. mais après, pff, en fait au début tu vas tu vas te tu vas aller sur Prague sur euh, sur Keitheth, tu vas, tu vas... Et, et aussi du fait qu'il y ait des monstres plus d'entretien ça coûte plus cher les monstres. Ouais allez. Donc pour moi je lui mets un poil en dessous que Wolfreak. Il a quoi comme bonus de. Oh, il a quand même moins 20% d'entretien, hein. c'est énorme hein, pour des trolls. Ouais. Ouais mais bon. Enfin... Je le mettrais la même note en vrai, mais bon. Voilà, ah ça, tu veux lui non. tu vas lui mettre un 5,5 ,5 Ouais, moi je lui mettrais un 5. je te fais plaisir. Parce qu'après, le problème qui se pose est toujours le même avec Wulfric. Plus tu vas piller des villes, puis tu vas devoir attendre qu'elle se régène, puis tu vas devoir aller au sud. Et il est quand même défavorisé par rapport à ça. Alors lui, il commence au nord, au nord, lui. Après, diplomatiquement, je lui mettrais peut-être un demi-point de plus que Ulfric du fait qu'il n'a pas de proximité avec... Alors déjà, il a accès à trotte plus rapidement. Il y a quand même des, euh, des trolls qui sont pas très loin. T'as des Skaven qui sont pas très loin aussi. Et voilà. Étaient beaucoup plus loin des elfes noirs et des euh, et, et des. T'as aussi Azak qui peut peut-être être cherché aussi accessoirement. Tiens, on l'a pas dit. Euh, Je suis con, mais euh, c'est vrai que parce qu'il apparaît plus. Il euh, y a Rakart maintenant aussi hein, qui peut commercer avec Ulfric et avec Trog. Hein. Oh ouais, tu vois, ouais, c'est ce que ça voit. Ouais, non, ça. Franchement. Bon, en vrai, à impuissance un... oh, commerciale. Allez, on va mettre un demi, un demi point de plus. Un... parce que deux ah, et demi quand même. Allez, deux et demi pour Rakart. Il merci à Rakart au dernier DLC. Allez, demi pour Rakart. Rakart il est copain avec les North au moins, parce que c'est gentil ça Hein Il est allié, il est copain. T'as un pack de non-agression dès le début, alors un pack qui tient pas dans les grosses difficultés mais dans les difficultés normales et difficiles ça passe. d'accord, Du coup Trot, tu lui mets combien pour en puissance commerciale Alors attends, on a dit combien on a dit 4 en diplo. 4 en diplo et puis puissance commerciale, bah c'est pareil, je mettrais la même chose. Pour la proximité, alors lui il va pouvoir commercer assez rapidement avec... Ouais, un petit ah, peu ouais avec, avec eux, puis après il va avoir accès oh, attends, à un port attends, rapidement. Attends, attends. est-ce qu'il vaut euh, un point et demi complet de plus que Wolfric C'est pas un petit peu exagéré bon, Peut-être 3,5, non Ah, non, bah non, moi je suis à 0,5 de plus là en réalité. Hein. Bah, Wolf, euh, Wolfric, on lui a foutu 2,5. Oui, bah je mets 2,5 aussi à Trog. Ah, d'accord. Bah, de toute façon, ça reste à la même chose. Hein. Tu enfin, veux en, en, deux en vrai. À troc, en commerce aussi ah, bah oui Tu veux mettre quoi il n'a il, il a pas accès à plus de choses en plus, mais au contraire, il n'a pas accès au port. Il commence pas directement avec un pack de d'agression. Ouais, donc, du coup, Trog, on est à 7,5, 5,5, 4 et 2. Je mets ça 5 ,5. parce qu'il y a une proximité juste avec le clan Mulder oh. qui peut rattraper un peu le coup et qui fait que finalement ils sont. Ouais. Ouais. Ah, alors oui, ça alors, reste. Trog à 48, vous à 47,5, ça reste dans le bas du classement. Ah ouais, c'est ça. Hein. Bon ben voilà, ça fait une petite vidéo de 40 minutes, mon petit Martin, sur okay. deux factions qui qui aujourd'hui sont assez compliquées. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire une vidéo euh, ben, avant la fin de l'année, voire début d'année prochaine, euh, lors de, du rework de, de la côte, de, de, de la côte vampire de la Norska. Euh, en, en, en se disant qu'il y a quand même des belles choses, même si c'est des factions de bas de de, de, qui sont en bas de classement. Euh, si vous aimez euh, vraiment cet univers là euh, de, 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 de vikings, et puis de de, de, en, fin, de de pillage, de mise à sac, etc., il euh, y a des gros bonus de raid aussi, il faut le savoir, ah, tiens, je, on l'a pas dit euh, économiquement, mais c'est vrai que tu peux te mettre en mode raid ou en mode campement euh, caché pour réduire de 50% l'économie de la faction. Hein. Ah ouais Ouais, mais tu, je, je, je vais pas monter de points parce que pour moi, on a déjà mis des trop bonnes notes économiques pour la Norska. Donc, on va dire que les notes se justifient de manière encore un peu plus importante par le fait que l'entretien est réduit par, euh, est réduit par, voilà. par, par, par ça. Donc, euh, parce que 6, bon, ça, reste, ça reste des 12 sur 20. Et en vrai, l'économie de North, hormis les pillages et les mises à sac, c'est compliqué. Mais ça, ça permet de, de générer et des raids d'un côté et de réduire l'entretien de l'autre. Donc, en réalité, euh, très bonne mécanique aussi, ça par contre. Euh, assez intéressante, mais donc voilà, ça reste une bonne faction à tester pour ceux qui aiment, euh, pour ceux qui aiment ce, ce type de gameplay. Donc merci à tous encore une fois, n'hésitez pas du coup à bah, mettre vos commentaires hein, pour me dire ce que vous avez pensé de ces, ces notes sur les deux sur les deux seigneurs euh, dans la vidéo, dans les commentaires de la vidéo YouTube ou en rejoignant toujours le Discord qui est en description bien sûr. Et puis bah, moi, je vous souhaite une excellente journée, je pense que Martin aussi, quoique. Allez, à bientôt. <laughs> euh,